démocratie, on le sait, sont des alibis. Technicité, démographie, on le sait, sont des alibis. Y'a rien d'urgence. On est dans un projet de loi qui est rejeté par l'opinion publique. On est dans un projet de loi sur lequel il y a un mouvement social qui s'oppose de façon historique par rapport à ce qu'on a connu ces 50 dernières années. Et désormais, on sait qu'on a un projet de loi qui est minoritaire puisqu'il n'a pas été voté par l'Assemblée nationale parce qu'il n'y avait pas assez de députés pour le voter et qui est passé en force par le 49-3. Et donc, du coup, il est grand temps aujourd'hui de retirer ce projet de loi et d'apaiser le pays. Et il faut qu'on ait un niveau de réponse qui soit autre chose que ce qu'on a entendu dans une interview où on a eu une certitude du président qui passe à côté de ce qui se passe dans le pays. La CFDT, elle reste mobilisée partout en France, dans l'ensemble des secteurs professionnels, pour s'opposer au report de l'âge à 64 ans. Tant que ça ne sera pas retiré comme mesure, la CFDT se mobilisera. Elle se mobilisera dans le calme, dans le respect des biens et des personnes. C'est ça la responsabilité des organisations syndicales, c'est ça la force du mouvement intersyndical. Revendiquant le retrait de la réforme des retraites, l'intersyndicale appelle les millions de travailleurs et travailleuses jeunes et retraités à continuer de se mobiliser. Elle appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestation mardi 28 mars partout dans le pays. L'intersyndicale se réunira mardi 28 mars au soir. Je vous remercie.